Salut à toi, bienvenue sur espritrentier.fr. Eh bien écoute, comme je l'annonçais lundi, là, je reprends des petites vidéos quotidiennes, un petit peu pour le suivi mon swing trading sur le Forex avec l'assistant de trading Aria, que je trouve très utile pour gagner du temps d'écran. Et surtout pour assurer un bon risk management. Donc là, sur l'écran, tu vois apparaître normalement mon journal de trading avec le suivi de l'ensemble de mes positions depuis que j'ai souscrit à Aria. Je te laisse prendre connaissance des précédentes vidéos si tu en as besoin. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que depuis lundi, effectivement, il y a eu une baisse puisqu'on est passé de 7,24 à 6,16%. Et ça, c'est dû à deux trades perdants qu'on voit ici le 29 mars sur AUD, NSD et GPB, NSD, avec des pertes de profit de moins 109 et moins 106, ce qui correspond à peu près un demi% du capital. Donc c'est bien ce que j'ai indiqué dans mes paramètres ARIA. Donc on voit que ARIA applique un parfait money management. Et ça, c'est vraiment de grande qualité. Et on voit, ça c'est le journal de trading sur myfxbook.com, c'est gratuit, je te recommande vraiment cet outil pour suivre tes trades. Et on voit que j'ai un trade en cours aujourd'hui avec un profit en cours de 77, de 77 euros. Voilà, on va faire un petit tour sur mon VPS. Pour aller voir l'outil ARIA, donc je me cours pas dans les manips, j'ai pas encore bien l'habitude. Donc la position court, si je vais sur mes trades, c'est USD PNL, donc en H4. On voit que j'ai une entrée qui s'est fait ici, autour des. Alors là, c'est difficile à lire, mais parce que ce qui est bien, c'est que en fait mon stop loss a été automatiquement rehaussé à mon break-even par ARIA. Ça veut dire que si jamais l'USD PNL était amené à baisser, je serais sorti au niveau du break-even, c'est-à-dire au niveau de mon niveau d'entrée sans perte. Donc ça, c'est aussi un des paramètres que ARIA permet. Et tout ça se fait bien sûr sans que j'aie besoin de passer du temps sur écran. J'avais sélectionné pour cette semaine l'USD HKD à la hausse, étant donné l'évolution de la devise, je vais annuler. Donc là, comme j'ai modifié les time frames, ça y est, je suis plus sur l'achat ou la vente. C'est quand il y a une double flèche hein, que ça vous indique l'achat ou la vente. Sur la UDENSD, on voit que je suis à l'achat. Étant donné, pareil, l'évolution, j'annule cet ordre en milieu de semaine. Là, pareil, je suis à l'achat. UDENSD, je fais un petit tour en daily. Non, je vais pas le remettre. Donc. Cela, je vais les supprimer, je vais juste garder ma position actuelle. Je vais juste garder ma position actuelle. Et voilà. Ce qui est sympa aussi sur MT4, je ne sais pas si vous connaissez la manip, c'est qu'il est possible. Par exemple, là, moi j'ai toujours un onglet qui est ouvert qui me permet d'avoir MyFXBook d'installer, ce qui permet le suivi sur le journal de trading qu'on a visualisé juste avant. Et ce qui peut être pas mal, c'est de reprendre les trades passés, cliquer et les draguer, les mettre sur l'écran, je sais pas comment on dit en français, pour les voir apparaître. Et puis ensuite, switcher sur la bonne unité de temps pour voir les temps. On voit que je suis entré ici et que je suis sorti ici. Hop, ça c'est juste une démo. Là je fais pas d'analyse technique ou quoi que ce soit. Et pareil ici on voit que je suis entré à la flèche bleue et sorti à la flèche jaune. Voilà. Bon bah écoutez, sur cette semaine pour l'instant,
Plutôt une semaine négative, plutôt une semaine dans le rouge. On va voir comment elle se termine avec, avec l'USD PNL. Voilà, c'était une rapide revue des trades. Si vous êtes intéressé par Aria, un petit lien dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.